Bonsoir à tous, damoiselles, damoiseaux, dames et messieurs. Bienvenue dans le JT de 20h. Maintenant que vous avez garé votre hippomobile et nourri vos chevaux, allongez-vous dans votre canapé et écoutez bien, car ce soir sera exceptionnel. Notre chère Ariane va nous montrer le chemin que nous allons parcourir à travers la soirée à l'aide d'une carte. Tous les élèves se sont donnés un point de départ autour des allées Tourny, du nom de l'intendant de Bordeaux, au XVIIIe siècle. La classe est passée par la rue Montrec pour entrer dans le Triangle d'Or. Ses élèves sont arrivés sur la place de la Raison, où ils ont vu la façade de l'hôtel de Nice et du Commerce, qui nous montre que Bordeaux devait sa richesse au commerce. Le groupe d'élèves, enfin, passa sur la place circulaire des Grands Hommes, à laquelle ils sont arrivés par la rue Diderot. Ils sont passés devant la rue Montesquieu, et peu après, la classe est sortie par la rue Voltaire. Ils ont fait un véritable voyage dans le temps, car ces rues et ces places ne sont créées qu'à la fin du siècle. Puis ils ont descendu le corps de l'intendant, qui rappelle la fonction royale. Les journalistes ont continué leur trajet jusqu'à ce qu'ils trouvent devant eux le grand théâtre. Il s'agit d'un voyage dans le temps, car le théâtre n'apparaît pas sur cette carte. La classe a poursuivi sur les fossés des Chapeaux Rouges, où ils ont pris la droite et pu rejoindre la place royale. Pour commencer cette soirée en beauté, je vous présente Jean-Baptiste, François et Louis qui vont nous dire quelques mots sur la ville de Bordeaux. Allez-y messieurs, présentez-nous cette si belle ville. Oui, bonsoir Henriette. Donc, comme vous venez de le dire, nous allons vous présenter un petit reportage de Bordeaux au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, la France connaît des troubles politiques, économiques et sociaux. La monarchie et l'absolutisme sont remis en cause. À cette même époque apparaissent les Lumières, mais avec cela, des philosophes tels que Montesquieu, Rousseau, Diderot ou Voltaire, qui remettent en question le régime politique de la France. Mais Bordeaux ne subit pas de dégâts économiques, car cette dernière est une grande ville commerçante, avec environ 100 000 habitants. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de monuments ? Oui, bien sûr, il y a le château Trompette, construit une première fois en 1450, puis reconstruit une deuxième fois au XVIIIe siècle. Il y a aussi la Place Royale, 1729-1755, et le Grand Théâtre, créé par Victor Louis sur la Place de la Comédie, encore au XVIIIe siècle. Mais Bordeaux a aussi deux faces, un côté sombre avec le commerce d'esclaves, et le bon côté avec les Lumières. Donc Henriette, vous l'avez bien compris, Bordeaux a révolutionné le commerce et a joué un rôle très important durant ce siècle. C'était un reportage de Jean-Baptiste, Louis et François. Très bon travail, remarquablement présenté par ces messieurs. Pour continuer la soirée dans cette ambiance, je vais confier l'antenne à Raymond, Jean et Henri qui se trouvent sur la place royale. Oui, bonsoir Henriette. Nous nous trouvons effectivement sur la place royale, place qui, rappelons-le, fut érigée sous l'ordre de Louis XV. Sa construction, quant à elle, prit environ 26 ans, de 1729 à 1755. Bien entendu, elle fut financée par le roi pour montrer son prestige et l'équilibre qui tourne autour de lui, car il y a une statue équestre le représentant au centre de la place. Pouvez-vous nous présenter l'architecture de ce bâtiment ? Très bonne question, Henriette. Alors, ils sont de style néoclassique. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir la parfaite symétrie qui règne entre ces bâtiments. Vous pouvez aussi voir des mascarons, visages représentant des esclaves. D'ailleurs, si vous allez à Bordeaux un jour, seriez-vous capable de retrouver le mascaron à tête africaine sur un des bâtiments ? Ceci est la fin d'un palpitant reportage sur une place célèbre de France. Merci infiniment, messieurs. Et voilà, encore une fois, c'était fabuleux. Mais accrochez-vous car ce n'est pas fini. J'ai l'honneur de vous présenter Louisette et Jacques, reportage au Grand Théâtre. Effectivement, Henriette, nous sommes en direct du Grand Théâtre qui se situe place de la Comédie. Par qui a été financé et conçu ce théâtre ? C'est Victor Louis qui a construit ce bâtiment et il a été financé par le roi Louis XVI. Le Grand Théâtre est de style classique avec des colonnes de style de la Grèce antique. Comme vous pouvez l'admirer sur le toit, nous voyons 12 statues, dont 9 muses et 3 déesses. À l'entrée, le roi est représenté avec une couronne. Vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais imaginez l'intérieur contenant des cafés, des salles de réunion, en plus du grand théâtre. C'était un reportage de Louisette et Jacques. Que leur dire de plus qu'un grand merci pour les féliciter. Voici un reportage à l'intérieur du Triangle d'Or, place des Grands Hommes, par nos chères Elisabeth et Marie-Thérèse.
Exactement, Henriette. J'ai rencontré l'architecte Chalifour qui m'a parlé de son projet de construction de la place des grands hommes. J'ai ici derrière moi des images 3D du projet. Cette place, qui sera de forme circulaire, sera bâtie par les Bordelais pour rendre honneur aux philosophes. Les rues, qui partiront du cercle central, porteront le nom de grands philosophes, tels que Voltaire, qui défend la justice et la tolérance religieuse, et comme Montesquieu, qui voulait la séparation des pouvoirs pour que le roi ne puisse plus décider de toutes les lois sur la vie de l'Assemblée. C'était digne de vrais professionnels. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour continuer toujours sur ce thème, voici Rose et Eliane qui vont nous parler des allées Tournies, Château Trompette. Bonsoir Henriette, en effet, nous sommes bien en direct des allées Tournies. En 1450, la construction du château Trompette a été ordonnée par le roi afin de montrer qu'il a repris Bordeaux aux Anglais vers la fin de la guerre de Cent Ans. Mais des bourgeois et des nobles se sont rebellés et ont donc détruit le château Trompette. Il a été reconstruit, mais à cause de la brume et de la nuit, nous ne pouvons pas l'admirer ce soir. C'était Rose en direct des allées Tournies. Merci à Eliane de m'avoir filmé. À vous les studios. J'en suis restée scotchée, c'était sublime. Et pour finir cette soirée dans les règles de l'art, je suis fière de vous présenter Aliénor et Marie-Constance dans un reportage au numéro 22 du Fossé du Chapeau Rouge. Tout à fait Henriette, nous sommes ici devant le numéro 22 au Fossé des Chapeaux. Pourquoi ce nom ? Chapeau Rouge. Cette rue porte ce nom car elle fait référence au chapeau que portent les évêques. C'est ici qu'a vécu Joseph Vernet de 1757 à 1759. Joseph Vernet était un grand peintre. Il a d'ailleurs habité ici sous la commande du roi Louis XIV. Dites-nous, Marie-Constance, pourquoi Louis XIV a demandé à Joseph Vernet d'habiter ici ? Le roi voulait connaître la situation de chaque port de France, dont celui de Bordeaux. Le roi lui commande 24 tableaux, mais seulement 15 seront réalisés, dont 2 de Bordeaux. Je vous rends l'antenne, Henriette. Un grand merci à toutes les deux. Avant de nous quitter, voici deux dernières dépêches. Eh bien oui, dans la soirée, il y a eu un feu, mais le vaillant pompier et ses coéquipiers ne se sont pas pressés, car ils n'avaient pas mangé. Alors ils ont pris quelques minutes pour dîner. La seconde dépêche parle d'une classe qui a visité l'imprimerie du Sud-Ouest, où ils ont pu voir une grosse rotative qui permet d'imprimer les journaux, puis ils arrivent devant une machine avec les journaux pliés qui tournent et transportent les journaux. Au revoir à tous et à bientôt.